Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentary sur Modern Warfare 2 sur la map Scrapyard, si je me souviens bien. Je vais tout de suite marquer un temps d'arrêt parce que je vous demande de regarder le prochain kill que je vais faire et me demander ce qui vous... Je me suis demandé, excusez-moi, ce qui va justifier le futur message que je vais recevoir, qui sera sur un fils de pute de Noob, ce qui est plutôt sympa en fait. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça, je vais d'abord vous présenter ma classe, qui est un intervention balle chemisée le tout en printemps, avec l'USP couteau tactique en secondaire, les couteaux lancés, les paralysants, passe-passe pro, force de pro, commando pro, logique, et c'est à peu près tout, voilà le message, fils de pute de Noob, c'est très aimable à eux. On se retrouve pour une plutôt bonne partie, c'était la suite d'un des commentaries que j'avais déjà fait sur sur Modern Warfare 2, enfin le seul que j'ai fait pour l'instant en différé, celui sur Agri, où j'avais fait un 10-1, en fait c'est la partie qui était juste après, où j'ai fait un bon score aussi, donc c'était plutôt sympa. Là sur cette partie il y avait Johan, donc il vient de m'envoyer un message, Predators11, et Jean je crois, Aero Jean Note, maintenant qui utilise plus son pseudo Iken que... J'aurais pu regarder à ce moment-là, mais je ne regardais pas. Donc là, vous pouvez voir le nom X-Sniper Diez, ce qui prouve bien que j'ai dans le même lobby qu'avant. C'était le mec qui m'avait sauvé la vie sur la vidéo d'avant. Vous avez aussi pu remarquer que dans le lobby, il y a des gens avec le tag OB. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissez la OB. Donc je me suis renseigné, c'était des faux. De toute façon, j'ai appris par la suite qu'il n'y en avait pas sur PS3. Dommage, ça aurait bien, mais enfin bref. 4 fake OB dans la même partie, ça m'a un peu surpris quand même, parce qu'en trouver un déjà c'est chiant, enfin chiant entre guillemets, mais 4 au même endroit c'était quand même assez impressionnant. Bon, c'était des grosses queues, on leur a mis un 4-0, enfin on leur a fait bien mal. C'est pas de ça que je voulais vous parler forcément, mais voilà, soit on arrête à mes 4 OB, soit c'était des queues, enfin. Voilà, je voulais aussi vous parler de l'aéro un peu. Sur le recrutement en fait, parce que je reçois encore quelques demandes de temps en temps, et en fait des fois je me retrouve avec des gens qui ont un niveau comment dire, sans les vexer en gros, un niveau plutôt pourri en étant gentil. Par exemple sur Modern Warfare 3, j'avais déjà fait un match de recrutement où j'ai quand même réussi à claquer une moab à mon adversaire, ce qui est quand même pas énorme comme niveau. Voilà quoi. C'était la première et seule fois où j'ai réussi à mettre une mob en privé snipe. Quand même. Et après en plus demander s'il est pris dans la team, ça m'avait un peu fait rigoler. Enfin bref, c'est pas important. Maintenant pour le recrutement, déjà faut toujours vous ayez Skype, ça c'est la grosse condition à avoir. Et il faut également que vous sachiez trickshotter et killfeeder. Votre niveau en killfeed doit être... à peu près égal à celui de trickshot, pas mal. Enfin, killfeed, je demande à savoir entrer une quad feed, enfin, avoir déjà entré quelques quad feed minimum. Ou si vous rentrez les trips tous les jours, bah ça me va aussi. en trickshot, en fait, je peux pas demander de trickshot précis en fait. Pas si vous en avez déjà rentré, parce que moi personnellement j'en ai jamais rentré, pourtant je sais trickshoter, c'est que j'ai jamais les personnes avec qui ont la foi de le faire. C'est pour ça que j'ouvre une nouvelle section qui sera killfeedeuse et trickshoteuse dans la team. Donc si vous avez un certain niveau en trickshot, je veux dire que vous avez fait un 3-6 et vous retrouvez du bon côté, par exemple, c'est un petit exemple, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit « Ah, viens, on va faire les trickshots, et le mec, quand il tire, il est dos à moi, enfin des conneries comme ça, les mecs, ils savent pas du tout en faire. » Donc si vous savez en faire, c'est bien. Je vous testerai, enfin, je sais pas, un petit privé, et ensuite, on ira en ligne ensemble, et on verra. Par exemple, un mec que j'ai recruté récemment, sur la première partie qu'on a faite ensemble, il a mis une quad feed, donc... c'était bon, il était gâche à accepter. À ce propos, bah, je vais faire un gros coucou aux deux nouvelles personnes qui sont dans la team depuis avant-hier, je crois. À savoir Aeroflow, qui a rentré son pseudo aujourd'hui, qui a rentré la quad feed avec moi. Et Aerodubs, qui est avec moi sur Skype, que je n'entends pas. Et je leur fais un gros salut à eux deux, ils sont vraiment géniaux, je suis content de les avoir trouvés. Merci les amis, et merci JVC. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Je voulais vous parler d'une sorte de chaîne communautaire un peu, ou plus un forum, qui regroupe des GFX et des VFX, qui s'appelle la Motion and Graph.
J'ai vu mon super accent, en fait je suis époustouflé par tant d'accent anglais, c'est si magnifique. Je viens de me prendre une Semtex, là j'avais un peu les nerfs, sachant que mon arrive à rien faire du tout. Enfin bref, je voulais vous parler de la Motion and Graph. Un lien va s'afficher maintenant sur l'écran, qui vous enverra sur leur forum et un autre sur la chaîne, si j'ai le lien de la chaîne, je sais pas encore. En fait, ça propose de regrouper un grand nombre d'éditeurs, enfin de VFX et de GFX pour aider les gens. Donc certains sont payants, ça dépendra des gens qui font les impôts. Il y a certaines personnes qui font les impôts gratuitement, d'autres non. Il y a certaines personnes qui vont vous faire des logos si vous le souhaitez, ou encore des backgrounds, et donc ça vous permet d'en trouver un petit paquet. Et par exemple, il y a mon VFX personnel entre guillemets qui est dedans, à savoir Wheels Design. Donc là, une autre annotation va s'afficher, et donc sincèrement, allez vous abonner à sa chaîne, il fait du très très bon travail. Il a dépassé les 100 abonnés, je le félicite vraiment pour ça parce qu'il les mérite. Et on va toucher à la fin de la vidéo dans pas longtemps. Ah non, c'est pas là, excusez-moi, un petit fail. Oui, donc il les mérite, il fait du grand travail. Pas grand, il fait du bon travail, du très bon travail. Il fait des intros d'environ 15 secondes, dont certaines vraiment, vraiment superbes. Sauf, enfin, il a fait la mienne, mais je prendrai pas ça comme exemple parce que personnellement, je l'aime pas. Je le répète souvent en plus. Enfin bref. Le score s'achève sur un score. C'est pas mal. Le score s'achève sur 4-0, ça veut rien dire non plus, c'est pas grave. Donc on leur a mis une petite mine, et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et bah n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, c'est pas le plus important. Lâchez surtout un commentaire parce que j'ai une baisse de commentaires en ce moment. Lâchez surtout des commentaires et dites-moi s'il y a des choses que je pourrais améliorer ou que je devrais pas faire entre guillemets. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et à plus tout le monde, ciao. Something special that I feel inside. They trying to kill you, but you're still alive. I hear you and I feel your vibe. Music. I hear you calling, just like hey, hey, hey. I'm on my way, girl, I'm on my way. I'm on my way, girl, baby. I'm on my way. When I come knocking, I'm a hey, hey, hey. I'm on my all way, baby. All those tears away. Box for the next to do it slow, that the way I used to go. A little I revive, had me feeling mighty fine. And girl, you probably saved my life back in 99. Music. I hear you calling, just like hey, hey, hey. I'm on my way, girl, I'll be on my way. I'm on my way, girl, I'll be on my way. When I come knocking, I'm a hey, hey, hey. I'm on my way, all baby, those tears away. I'm on my way, girl, I'll be on my way. I left town with a dollar and a dream. I just wanna put my city on and make the crowd scream. And I ain't made it yet, but know the hate that I'm ahead. Jerry Garcia, they be grateful that I'm dead. But you keep calling, waiting patient instead. And when